a été créée en 1968-1969. J'ai commencé avec quatre modélistes en faisant essentiellement du vol libre, c'est-à-dire avec des planeurs. Alors ces modélistes maintenant ont largement à peu près une cinquantaine d'années. Et ensuite, pendant des années, on a fait du vol libre, planeur. Et depuis peut-être une dizaine d'années, on y a ajouté une activité radiocommande. Alors, cette année, on a... Je crois qu'il y a des jeunes qui sont venus se joindre. Comment ? Et je crois qu'il y a des jeunes qui sont venus se joindre. Alors là, au point de vue effectif, on va en parler. Tu as une quinzaine d'adhérents cette année, et dont 4 ou 5 adultes. Et on travaille cette dernière saison avec Clamcy, qui nous aide à organiser une école de pilotage, tantôt ici sur cette piste, tantôt à Clamcy. Et bon, on espère déboucher sur la formation de pilotes, d'abord dans les adultes, ensuite dans les plus jeunes. Alors, pour remplir la caisse, parce qu'il faut tout le temps y arriver à cette chose-là, on organise un couscous qui a lieu systématiquement le premier samedi d'avril. Et puis une autre fête qui avait lieu fin septembre, mais pour des raisons techniques et puis des raisons de disponibilité de modélistes, on a essayé cette année de la mettre le samedi 30 juin. Alors au point de vue participation de modélistes, il n'y a pas de dessin, puisque là on va en compter une dizaine, alors que l'an dernier il n'y en a eu qu'un seul qui avait pu venir. Puis au point de vue participation, pas de ce soir, parce qu'il faut bien remplir la caisse, on est 54 inscrits, alors que d'habitude en septembre, à midi, on est entre 20 et 30 au grand maximum. Voilà. Combien de participants à la section? Oui. Non, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, je te l'ai dit, une dizaine de participants, et je te présente Michel Hédot. Il est beau. D'Auxerre. Oh, il est beau. Et il est jaloux parce qu'il est encore plus beau que moi. Ça m'étonnerait. Oh non. Ça alors. Voilà. Mon voisin. Ah bah on est voisins. Voisin, ben, oui. On est voisins aujourd'hui. Oui. Non, bah, c'est sympa d'être venu. Ah bah il n'y a pas de raison. Ce que j'avais peur, c'était le vent. Oui. Ah bah oui. Mais par contre, on a bien choisi, parce que tu as vu le nombre de modélistes, il y en a de Clamcy. Ouais. Tu as des copains de Courson puis d'Avalon. Oui. Qu'on n'a pas eu peur de venir sur notre piste. Il y a le Claude là. Le Claude comme d'habitude. Ah, ouais. Et puis donc on est une dizaine. L'an dernier, il y avait toi puis nous. Oui. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas moyen d'avoir en septembre les modélistes. C'est vrai, ils sont partis partout. Et puis bon ben, t'as Daniel, si c'est le week-end où il trouve ses fils je ne sais où, ben, il peut pas venir. Ah, oui. Et en septembre, c'est fréquent. Y a-t-il une remise de prix? Alors, tout à l'heure, il y a une remise de prix qui va concerner les 8 plus jeunes. Et le principe est le suivant, on fait des petites rencontres dans le cadre du club toute l'année. On totalise les points que les enfants obtiennent. Et pour récompenser les gens fidèles, on accorde 2 points de plus pour chaque séance à laquelle ils ont participé. Et là, on va faire le total. La dernière séance de vol a eu lieu ce matin. On va faire le total, il y a un classement. Donc le premier va gagner une coupe, un beau jeu de badminton ou de raquette, je ne sais plus quoi, puis une petite coupe de pillage. Et le huitième, il va s'en tirer quand même avec un jeu de raquette et puis une petite trousse d'outillage. Donc tout le monde est récompensé. Bon, il n'y a pas de perdant. Ah, il n'y a pas de perdant. Ah ben, le principe du classement et de l'attribution des points est le suivant. Pour tout modéliste qui se présente pour faire un essai, a droit systématiquement à 5 points, même si personne n'a dû, même s'il rate. Il a 5 points dès l'instant où il a participé. Et pour les jeunes, quand ils ont un temps entre 0 et 10 secondes, on leur ajoute 5 points systématiquement. Entre 10 et 20 secondes, on leur ajoute 4 points. Entre 20 et 30 secondes, 3 points, etc. Pour les encourager. Et puis bon, c'est pas la championnite. Bon, on a gagné, on est content. On a perdu, on fera mieux la prochaine fois. Mais là, on a réalisé des beaux petits planeurs qui volent très très bien. Et tu vois, ces filles-là, elles ont 8-9 ans. Elles ont réalisé des planeurs. Tiens, je peux t'en offrir un. Et c'est vachement sympa. Oui, un coup comme ça. Ils sont pas mettre devant les avions. Eh bien, écoute, demain, on va les panneaux.